Eh bien, bonjour à tous, je suis Cyrielle Filias, je suis la responsable des programmes de l'apprentissage et du développement au CERIC. Et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire du jour. Aujourd'hui, nous sommes ravis de mettre en lumière un projet de recherche financé par le CERIC et en partenariat avec l'Université du Québec à Montréal, portant sur l'impact de la COVID-19 et sur le développement de carrière. Et pour ce webinaire, nous sommes honorés d'avoir avec nous Élodie Chevalier et Réginald Savard, deux membres du groupe de travail qui vont nous parler du concept de choc de carrière, du sens au travail et du sens du travail. Mais avant de démarrer, je tiens à rendre hommage au peuple autochtone du territoire sur lequel je me trouve physiquement, ici, à Toronto, et où les locaux du CERIC sont également situés. Depuis des milliers d'années, cette terre est le territoire traditionnel des Hurons-Wendat, des Pétoun, des Haudenosaunee, des Anishinabé et des Mississauga Anishinabé de nouveau crédit. Et je reconnais que les peuples autochtones sont les gardiens et les protecteurs originaux de ces terres et de ces eaux, et qu'aujourd'hui, cet endroit sert toujours de foyer à de nombreuses personnes autochtones de l'île de la Tortue. Et dans le cadre de notre appel à l'action pour soutenir la réconciliation par l'apprentissage et par le partage, je voudrais partager dans le clavardage une ressource que j'ai trouvée intéressante. Il s'agit de la trousse d'outils pour les alliés aux luttes autochtones, élaborée par le réseau de la communauté autochtone de Montréal et créée dans le but de favoriser des alliances et d'éduquer les personnes et groupes non autochtones sur la manière dont ils peuvent utiliser leurs privilèges pour écouter, changer les dynamiques et pour prendre des mesures concrètes. Donc, je partagerai ça très prochainement. Et bien sûr, quiconque qui le souhaite, sentez-vous libre de le faire également. Je vais prendre aussi quelques instants pour vous présenter le CERIC pour ceux parmi nous qui ne nous connaissent pas encore. Donc, le CERIC est un organisme caritatif voué à la progression de l'éducation et de la recherche en matière d'orientation professionnelle et de développement de carrière au Canada. Et en parallèle des webinaires que nous offrons et des projets de recherche que nous finançons, le CERIC a trois programmes principaux. On a notre congrès national de Canexus sur le développement de carrière que nous faisons chaque année à Ottawa en janvier, en version hybride également, donc sur une version en virtuel et en présentiel. Nous avons aussi le site internet Orientaction qui présente toutes les meilleures nouvelles et opinions dans le domaine avec une version anglaise appelée CareerWise. Et enfin, la revue canadienne du développement de carrière dont l'accès est totalement gratuit. Donc, je vous invite à visiter notre site web pour plus d'informations. Juste une petite note aussi pour vous rappeler que le CERIC, évidemment, est toujours à l'écoute de vos suggestions et surtout de vos besoins d'apprentissage. Donc, on aimerait vous inviter à prendre quelques minutes à la fin de notre session pour nous partager vos commentaires sur le webinaire, mais aussi vos besoins d'apprentissage futurs pour l'année qui s'en vient. Donc, vous aurez une petite enquête qui va s'ouvrir sur votre fenêtre de navigation. Donc, on vous remercie d'avance pour vos commentaires. Maintenant, juste pour finir, quelques points de logistique pour aujourd'hui. Donc, si durant le webinaire, vous avez des questions ou des commentaires pour nos présentateurs, vous pouvez la saisir sur la question chat sur votre écran et on aura une session de questions-réponses à la toute fin. Aussi, sachez qu'une copie de la présentation et de l'enregistrement du webinaire vous sera envoyée dans les prochaines 24 heures. Et on partagera également un enregistrement spécial avec sous-titres en anglais dans les prochains jours pour tous nos participants anglophones. Je suis maintenant ravie de vous présenter notre présentatrice et présentateur du jour. Donc, notre première présentatrice est Élodie Chevalier. Élodie est titulaire d'un doctorat en éducation. Ses activités de recherche portent sur le sens au travail et le développement de carrière. Et Élodie fait partie depuis 2021 de l'équipe de recherche de l'UQAM en charge du projet de recherche financé par le CERIC visant à comprendre les effets de la pandémie de COVID-19 sur le sens accordé au travail et le développement de carrière. Notre deuxième présentateur est Réginald Savard. Donc, Réginald est professeur à l'UQAM, conseiller d'orientation psychothérapeute. Ses travaux de recherche portent sur l'efficacité et le changement en counseling de carrière avec des enjeux d'orientation, d'insertion et d'adaptation, ainsi que sur la formation et la supervision. Réginald offre également diverses activités de supervision clinique en counseling de carrière et en psychothérapie. Donc, on est vraiment ravis d'avoir Élodie et Réginald avec nous aujourd'hui pour nous parler de leur projet de recherche, mais plus généralement de comment les praticiens de carrière peuvent mieux appréhender le processus de perte de sens au travail et accompagner leurs clients vers des choix porteurs de sens. Donc, je vous propose de ne pas attendre plus longtemps. Je te passe désormais la main, Élodie. Merci, Cyrielle, et puis merci au CERIC de nous offrir cette opportunité de présenter nos recherches. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Donc,
Aujourd'hui, on va parler de comment accompagner efficacement les transitions professionnelles, donc à la suite d'une perte de sens au travail. Donc, comme Cyrielle l'a introduit, c'est un travail qui s'englobe dans une recherche qu'on mène depuis 2001 avec une équipe composée donc de Réginald Savard ici présent, Alexandre Briand et Pavel Zanievski qui n'ont pas pu assister aujourd'hui à notre présentation. Quelques objectifs pour cette présentation aujourd'hui. Donc, on se donne comme objectif de transmettre les dimensions et les composantes du sens au et du travail, de connaître le processus de perte de sens au travail qui mène à une transition professionnelle et d'accompagner la définition d'un projet professionnel porteur de sens. Donc, comme vous pouvez le voir, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment très opérationnel. Il s'adresse aux professionnels de l'emploi, de l'orientation, de l'accompagnement aux transitions de carrière pour comprendre la notion de sens au travail, la notion de transition et avoir des outils pratiques pour les accompagner. Cette thématique-là, en fait, on l'a tirée donc de la recherche qu'on mène depuis 2021 sur les effets de la pandémie sur le sens au travail, le développement de carrière. Donc, comme tout le monde, vous avez sûrement entendu parler des phénomènes qui ont suivi la grande démission, la pandémie, pardon, la grande démission, les démissions silencieuses. Donc, on a vu déjà après la pandémie qu'il y avait un effet en fait sur la perte de sens, le développement de carrière. Donc nous, notre recherche, elle visait justement à comprendre précisément en quoi ça consistait cette perte de sens-là. Et on a mené donc une enquête exploratoire en janvier 2022, c'est-à-dire on était à la cinquième vague de la pandémie au Québec. Donc souvenez-vous, c'était un moment où on était reconfinés après les fêtes. Et en fait, on a interrogé des professionnels de l'accompagnement vers l'emploi et à la réorientation de carrière. Et en fait, ils nous ont dit qu'eux-mêmes avaient identifié au sein de leur clientèle qu'il y avait un nombre beaucoup plus important de demandes de changement d'orientation et nature aussi des demandes qui avaient changé, ainsi qu'un profil de personnes qui avaient changé. Donc le profil des personnes, c'était vraiment des personnes qui étaient en stabilité d'emploi, qui se posaient pas vraiment la question de changer professionnellement dans les années qui allaient venir, mais qui, à l'occasion de la pandémie, en fait, ont connu un questionnement, une remise en question. Et puis, ça a aussi fait évoluer la nature des demandes où la question du sens au travail était beaucoup plus présente. En tout cas, elle était formulée d'une manière où c'était « je veux un travail qui correspond plus à mes valeurs, qui correspond plus à mon mode de vie, à mon rythme, à mon équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle ». Et un an après, on a mené une enquête qualitative, donc l'année dernière, donc en janvier dernier, une enquête quantitative, pardon, donc par questionnaire, où on a demandé en fait un certain nombre de questions. On a posé un certain nombre de questions et on a notamment identifié que chez les personnes qui ont identifié la pandémie comme un événement marquant, qui l'ont vécu comme ça, eh bien, elles étaient plus susceptibles d'avoir un niveau de sens accordé au travail qui avait diminué, en fait. Effectivement, quand on a regardé de plus près, on s'est aperçu que la pandémie, quand elle était considérée comme marquante, elle avait un effet sur deux aspects du sens au travail, qu'on va expliquer plus tard. On part du terrain pour revenir sur la théorie, sur la rectitude morale des pratiques sociales et organisationnelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sur le sentiment d'équité, de justice qu'on ressent dans les pratiques de notre organisation, de notre entreprise. Et puis, ces personnes-là aussi ont relevé une perte de sens au niveau de la qualité des relations avec leurs supérieurs immédiats. Et en fait, on a relié ça à la possibilité que durant la pandémie, et c'est très lié au contexte de la pandémie, le fait qu'il y ait eu beaucoup de changements des règles de travail, des règles de distanciation, etc., ça a amené les supérieurs hiérarchiques à changer assez rapidement et à mettre en place des nouvelles règles de fonctionnement qui ont pu mettre en tension l'éthique, pardon, de travail et l'équité entre les personnes travailleuses.
Donc ça a pu causer une perte de sens. Et de manière générale, en fait, on s'est aperçu que les événements, et notamment quand ils sont considérés comme marquants, en fait, ça peut amener une perte de sens au travail, voire mener à la transition professionnelle. Ça a été le cas, on a eu différents événements marquants collectifs hein, dans l'histoire. On peut repenser par exemple au 11 septembre 2001 ou les crises financières. Eh bien, il y a plusieurs auteurs et plusieurs recherches qui ont montré qu'il y avait eu des effets sur les changements de carrière. Pour expliquer ça, en fait, on est allé rechercher au niveau théorique les travaux d'une auteure qui s'appelle Nancy Schlossberg. Et elle distingue justement différents types d'événements. Les événements anticipés, donc les événements qu'on connaît, qu'on va connaître ou qu'on connaîtra un jour dans notre vie, hein, tels qu'un mariage, la naissance d'un enfant, le changement de profession, un licenciement, un divorce, des choses qu'on a pu voir arriver. Et puis, ou non. Et puis, il y a aussi des non-événements, donc c'est-à-dire une promotion qui n'a jamais lieu, la naissance d'un enfant qui n'a jamais lieu, quelque chose qui n'arrivera jamais, en fait, et qui, parce qu'on le vit comme un deuil, une déception à un moment donné, va avoir le même effet qu'un événement. Et en fait, ces événements-là, lorsqu'ils sont reconnus comme marquants, donc quand la personne s'aperçoit que ça a quand même créé quelque chose, ça a été un point marquant dans sa vie, en fait, ça a un effet sur le rapport au travail et à la carrière, ainsi que sur le sens accordé au travail. Et ça peut mener à différents types de transitions. Donc, des transitions qui vont être anticipées, comme pour les événements anticipés, donc c'est-à-dire les événements qu'on considère comme faisant partie de la vie adulte, donc le changement de, par exemple, des études à l'emploi ou de l'emploi vers la retraite. Et puis, on peut aussi faire face à des événements, et qu'on n'avait pas anticipés et qui mènent à des transitions non anticipées. Donc, les événements souvent perturbants qui arrivent de façon inattendue, comme la pandémie, par exemple. Ça fait partie des événements et des transitions non anticipées. Mais ça peut être aussi à un niveau individuel. Ça peut être le décès d'un proche, la maladie d'un proche ou sa maladie. Et puis aussi, il y a des transitions qui on va appeler non-événements. Donc, c'est des événements qui étaient escomptés, qui n'avaient pas lieu. Je prends un exemple. Par exemple, si avant la pandémie, une personne attendait une promotion, et puis à cause de la pandémie, cette promotion n'a pas eu lieu parce que la personne a perdu son emploi ou parce que l'organisation du travail a complètement changé, ce qui fait que cette promotion n'est plus d'actualité, on va parler de transition non-événement. Le fait d'avoir vécu ce non-événement va pouvoir mener à une transition professionnelle. Quand cette transition, cet événement est vécu comme vraiment importante au niveau de la carrière, on va parler de choc de carrière. Le choc de carrière, c'est un événement qui est perturbateur et extraordinaire, au moins jusqu'à un certain point, et causé par des facteurs indépendants de la volonté et qui va déclencher un processus de réflexion délibérée sur la carrière. Donc, c'est le fait que cet événement marquant ait créé un choc qui va à un moment donné amener la personne à réfléchir, à se reposer des questions, à entamer un processus de réflexion qui, d'une part, affecte le sens au travail, et puis, d'autre part, en fait, qui va amener à modifier des comportements au travail, à amener à modifier sa motivation au travail. Et puis, ça peut amener aussi à faire des changements dans la carrière, tels que poursuivre des études ou changer d'emploi. Et quand on a fait cette recherche sur les effets de la pandémie, sur le sens au travail et les changements de carrière, on a certaines personnes qui, dans les commentaires ou dans les entretiens qu'on a pu faire, ont expliqué que, oui, effectivement, le fait d'avoir vécu ce changement de vie, à un moment donné, ça les avait re-questionnés sur la suite de leur carrière professionnelle. Alors, on parle de sens au travail depuis tout à l'heure. On l'a évoqué assez rapidement. Pendant ce webinaire, il nous semblait important de peut-être redéfinir ce qu'est le sens au travail et donner quelques points pour comprendre et puis mieux, on va dire, objectiver ce que ça peut être cette notion-là.
Déjà, le sens, c'est un concept polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens, il a plusieurs racines en fait. C'est un mot donc qui a au moins trois significations différentes. Il y a une première racine, donc c'est sensus, c'est la signification. Donc c'est ce que signifie le travail pour une personne. Quelle valeur a le travail dans la vie de la personne et quelle représentation aussi ça peut avoir? Est-ce que mon travail, c'est alimentaire? Est-ce que mon travail, c'est quelque chose qui vraiment fait partie de ma vie, me donne une identité professionnelle, je me définis par mon travail? Ça va être ça la signification du travail. Sur la deuxième racine, c'est sumo, c'est la direction, c'est l'orientation que la personne, elle va donner à son travail. C'est aussi ce qu'on recherche dans le travail, c'est la direction qu'on va prendre, la progression qu'on va avoir dans notre carrière à travers le travail. C'est vraiment prendre le travail comme quelque chose qui va nous donner une direction de vie. Ça, c'est le sens qu'on peut relier au sens, la direction. Et puis, en phénoménologie, en fait, on va parler de l'effet de cohérence entre la personne et le travail qu'elle accomplit, entre ses attentes, ses valeurs et les gestes qu'elle va poser quotidiennement dans son milieu de travail. Donc, ce sont les personnes aussi qui vont exprimer la notion de sens à travers un alignement entre leurs valeurs personnelles et les valeurs qu'elles vont retrouver dans leur travail. Donc, le sens au travail, c'est un peu tout ça. C'est à la fois qu'est-ce que représente le travail dans ma vie, c'est à la fois à quoi ça me sert, vers où ça mène, et puis comment c'est aligné avec ma personne. Donc, effectivement, là, à travers ces différentes définitions, on voit que le sens au travail, c'est quand même quelque chose d'assez subjectif, en fait. Le sens que la personne, elle va accorder à son travail, ça va dépendre de facteurs assez personnels, c'est-à-dire la représentation que la personne se fait du travail, qu'est-ce qu'est le travail pour elle. La centralité du travail dans son existence par rapport aux autres activités qu'elle valorise, les activités familiales, les activités extra-professionnelles, les fonctions que remplit le travail dans la vie, est-ce que c'est une fonction de développement personnel, une fonction plus alimentaire, et puis le sentiment de cohérence que la personne, elle va retirer de l'accomplissement de son travail. Donc, effectivement, bien qu'il y ait des composantes d'objectivité, et puis on va voir aussi comment on peut rendre cette question de sens au travail plus objective avec des caractéristiques de sens au travail, il en demeure que ben, finalement, c'est quand même une notion assez subjective qui va être très propre à la manière dont chaque personne envisage le travail et le sens au travail, pardon. On parle aussi beaucoup de quête de sens, des personnes justement qui cherchent le sens de leur travail. Et dans la littérature, en fait, on a plusieurs auteurs qui expliquent que cette quête de sens, en fait, c'est quelque chose qui est naturel, qui est normal chez l'être humain, qui est finalement un peu inné à l'être humain, parce qu'on va chercher du sens dans ce qu'on fait. Et puis, bah, finalement, tout au long de notre vie, en fait, cette quête de sens, elle va être présente. Donc, le sens, il aspire à être découvert à travers les différentes activités qu'on va pouvoir réaliser. Ceci dit, à certains moments de la vie, cette quête, elle va être plus forte, en fait, et notamment les moments qui sont un peu charnières dans la vie. Donc, le passage, par exemple, des études à la vie professionnelle, c'est un moment où la quête de sens, elle va être un petit peu plus forte parce qu'il va y avoir quelque chose de changé dans la vie, une adaptation à avoir. On y a identifié aussi que le mi-temps de la vie, c'est-à-dire dit souvent sous l'expression la crise de la quarantaine, en fait, c'est des moments aussi où on a une quête de sens qui va être un peu plus forte, parce qu'on est à un moment un peu charnière dans la vie adulte. Et puis l'arrivée à la retraite aussi, c'est des moments où les personnes vont beaucoup se questionner donc sur le sens du travail. Mais quel sens peut avoir le travail quand on est à la retraite? Quel est le sens aussi de la vie de manière générale? Donc cette quête de sens, elle est, on va dire, classique dans la vie adulte, et elle peut parfois, chez certaines personnes et à certains moments de la vie, se manifester par des états d'anxiété, en fait. Donc, certains auteurs indiquent que c'est pas anormal ni pathologique, mais ça va être des moments qui vont être plus intense en termes de quête de sens que d'autres. Et c'est des moments justement qui nécessitent d'être davantage accompagnés.
Pour rendre un peu plus objectif cette notion de sens au travail, donc on a plusieurs auteurs et notamment on s'est appuyé beaucoup sur les travaux d'Estelle Morin, qui est professeure à HEC Montréal et qui, elle, distingue avec d'autres auteurs le sens du travail et le sens au travail. Et c'est vrai que cette distinction, elle est importante, et surtout quand on accompagne en fait les changements professionnels et les pertes de sens au travail. Parce que le sens du travail, ça va être le sens qu'on va trouver dans la nature même du travail. Donc, c'est le sens qu'a le travail lui-même et ce qui réfère à l'agencement des tâches, au rôle, aux responsabilités qu'on va avoir. Donc, c'est vraiment ce qu'on est en train de faire, le travail, la nature de notre travail. Et puis, le sens au travail, bah, ça réfère plus à l'environnement de travail. C'est le sens que vont avoir les relations auxquelles donne lieu le travail. Et ça concerne autant les relations que la personne a avec la hiérarchie qu'avec ses pairs, ses collaborateurs ou même sa clientèle, en fait. Et c'est vrai qu'une perte de sens au travail, c'est toujours intéressant à interroger parce que des fois, c'est pas lié au travail en lui-même, à la nature même du travail, ça peut être lié à l'environnement de travail. Et un changement d'environnement de travail peut contribuer à redonner du sens au travail. Donc, ça veut dire qu'une personne peut très bien trouver du sens, donc, pas dans son travail, mais pas au travail, et le contraire. On va aller plus loin aussi pour décrire le sens au travail, donc toujours sur les travaux d'Estelle Morin. Elle a identifié en fait les caractéristiques d'un travail qui a du sens. Donc, si on a retenu ces travaux, c'est pour plusieurs raisons. C'est parce qu'en fait, elle prend en considération aussi toute la partie organisationnelle du travail, donc le sens au travail, pour identifier en fait ce qui est le sens et ce qui participe à donner du sens. Et pour identifier ça, en fait, elle a interrogé des travailleurs dans plusieurs pays, donc Québec, Canada, et puis également en France, au Brésil. Et puis, elle a mis en évidence en fait 6 caractéristiques d'un travail qui a du sens. Et 3 caractéristiques sont reliées au sens du travail et 3 caractéristiques sont reliées au sens au travail. Pour le sens du travail, en fait, un travail qui a du sens, c'est un travail où on va trouver une utilité sociale, c'est-à-dire une finalité. Elle décrit ça comme le fait de s'investir dans un travail, bah, finalement, il faut qu'on y trouve une forme d'utilité. Et l'utilité, souvent, elle n'est pas forcément monétaire, elle va être plutôt sociale, le sentiment de se sentir utile. Un travail qui a du sens aussi, c'est un travail où on peut avoir de l'autonomie au travail. Donc là aussi, l'autonomie, ça va être en fonction de l'autonomie possible et souhaitée par chacune des personnes, mais quand ça permet à la personne d'être autonome et de fonctionner de manière autonome. Une autre caractéristique d'un travail qui a du sens, c'est quand le travail permet d'apprendre, permet de se développer professionnellement. Et pour les caractéristiques qui sont reliées au sens au travail, en fait, un travail qui a du sens, c'est un travail où il y a une forme de rectitude morale, où les pratiques sociales et organisationnelles sont considérées comme éthiques, justes, équitables et égalitaires. Il y a aussi donc une dimension qui est reliée à la qualité de la relation avec les collègues. Donc, quand les relations sont saines, qu'elles sont constructives, qu'elles sont faciles, et des qualités de relation avec le ou la supérieure hiérarchique. Donc, c'est le même type de qualité de relation, c'est-à-dire des relations faciles, accessibles, constructives. Donc, à partir de ces éléments-là, en fait, on a un modèle de caractéristiques d'un travail qui a du sens. L'idée de ce modèle, c'est pas d'avoir forcément donc un équilibre et un score assez haut sur chacune des caractéristiques d'un travail qui a du sens, mais l'idée, c'est plutôt d'avoir un équilibre, en fait. C'est que à travers les différentes caractéristiques, je trouve de manière générale un équilibre dans mon travail et c'est ce qui fait que je trouve du sens à mon travail. Et cet équilibre-là, en fait, il va bouger en fonction, bah, par exemple, si mes collègues changent, si mon supérieur hiérarchique change. Mais il y a toujours une compensation qui va pouvoir se faire sur une ou l'autre des caractéristiques.
Et en fait, quand le travail perd du sens, ce qu'on a vu, c'est que vraiment, il y a des caractéristiques qui vont s'effondrer, ce qui fait que l'équilibre ne va plus être présent. Donc voilà un peu pour cette notion de sens au travail. Je vais passer la parole à donc Réginald Savard qui va continuer donc sur le processus de transition. Merci Elodie. Bonjour tout le monde. Donc, comme on peut voir, le processus de transition, c'est un processus qui est long, hein. Habituellement, c'est un long processus. Les personnes qui vont vivre certaines réactions par rapport à l'événement, par rapport à qu'est-ce qui est arrivé, et ces réactions-là vont se modifier au fil du temps. Fait que dans la diapo, ici, ce qu'on voit, c'est que Élodie en a fait mention tout à l'heure, c'est qu'un événement comme la pandémie, par exemple, qui est non anticipé, qui arrive, même les événements anticipés, on peut voir là, ou les non-événements, c'est qu'ils vont venir avoir un impact, hein, sur l'individu. Ils vont venir comme jouer sur qui est la personne, ils vont venir influencer selon ses ressources, ses limites, selon le type de soutien social, selon sa formation puis l'emploi. Et ça va avoir un impact sur le plan intrapersonnel, c'est-à-dire sa santé, son bien-être, sa satisfaction dans la vie, son estime de soi. Interpersonnel, c'est vraiment au niveau de sa famille, son couple, les amis, etc. Et extrapersonnel, c'est tout ce qui concerne ses activités de travail, de loisirs, l'éducation et autres. Fait qu'on peut voir que cet impact-là, c'est important de vérifier à quel niveau ça peut avoir pour la personne. Souvent, ça va avoir un impact sur les trois niveaux comme tel. Fait que, si on va dans la diapo suivante, c'est que Schoenberg, on s'est inspiré un peu de Schoenberg pour faire ressortir les différents éléments à considérer lorsqu'une personne fait une transition. Je ne dirais pas comme en profondeur dans chacun de ces éléments-là, mais c'est pour montrer que lorsque on vit une transition, c'est complexe. Est-ce qu'on voit au niveau de l'événement, Élodie en a parlé tantôt, là, qu'il y a les types, hein, d'événements, anticipés, non anticipés ou non événements. Il y a le contexte aussi. Qu'est-ce qui a déclenché l'événement? C'est quoi l'élément déclencheur? Est-ce que je suis moi-même un élément déclencheur ou c'est arrivé par quelqu'un d'autre qui a déclenché ces éléments-là? Ça va venir jouer dans ma manière de m'adapter dans une transition. Le moment. C'est-tu un bon moment pour moi? Dans quel moment ça arrive? Comme par exemple, j'ai vu des gens qui ont perdu leur emploi et en même temps, ils vivaient un problème de relation de couple, puis même un divorce, ou encore un enfant qui était très malade. Voyez-vous, comme quand ça arrive avec un autre moment qui est complexe pour la personne, donc aussi des stress concurrents, ça peut venir jouer un élément important. Aussi la durée, hein, comment ça pourrait durer, hein, c'est comme cet événement-là. Comme on pense à la pandémie, on savait que ça avait un début, mais on ne savait pas combien de temps que ça allait durer. Le contrôle, ça a été par choix? Est-ce que j'ai du choix qu'à en train de se passer ou encore pas du tout? Et mon niveau de motivation, ça va venir jouer aussi. Les expériences antérieures de transition aussi, c'est que la personne qui a eu déjà des pertes, qui a déjà vécu des transitions, si ça s'est soldé d'une manière positive ou négative, ça peut venir jouer aussi. Et enfin, l'impact, dans quelle mesure la transition affecte les différentes dimensions de la vie de la personne. On l'a vu tantôt, intrapersonnel, interpersonnel et extrapersonnel. Et l'écart aussi anticipé entre la pré- et la post-transition. Ça, c'est un autre élément important. Au niveau des ressources et des limites, c'est que, Élodie l'a nommé tantôt aussi pour dire que un événement va jouer différemment selon qui on est comme personne. Donc, les ressources et limites personnelles et environnementales vont avoir un impact aussi sur la manière que je vais vivre la transition. Donc, il y a les caractéristiques de la personne, il y a ses ressources et ses limites, j'en ai mis différentes qu'on peut voir à l'intérieur de ça. Il y a aussi le type de stratégie qu'elle va utiliser pour s'adapter. Puis, est-ce que ces stratégies d'adaptation sont efficaces ou pas? Comme par exemple, on sait que des stratégies centrées sur le problème, ça a souvent plus d'efficacité que des stratégies centrées sur l'émotion. Là, il faut aider la personne à utiliser la bonne stratégie compte tenu, encore là, de ses ressources personnelles et environnementales.
Au niveau environnemental, on peut voir qu'il y a le soutien social et la disponibilité. Le soutien social, c'est qu'il y a le type de soutien, donc émotionnel, estime de soi, informatif, matériel, et aussi la qualité du soutien. Ça, c'est un élément important aussi au niveau de la qualité du soutien, parce que des fois, il y en a qui vivent des transitions et ils ont un soutien qui est beaucoup trop présent ou qui est trop protecteur. Des fois, c'est pas bien que la personne peut apprécier ce soutien-là, ce n'est pas nécessairement un soutien qui est facilitant pour la personne en transition. Et enfin, la disponibilité de la formation ou de l'emploi, mais compte tenu de la région dans laquelle la personne est, la ville ou l'environnement dans lequel la personne est, est-ce qu'il y a des emplois disponibles? Est-ce que la formation que je veux suivre, c'est possible de la faire dans mon environnement prêt comme tel? Donc, vous voyez un peu, on vous l'a fait ressortir ici, comment il y avait plusieurs éléments à considérer. Maintenant, par la suite, on peut voir que maintenant, on va se demander, c'est quoi les interventions pour faciliter la transition? Donc, comment accompagner la définition d'un projet professionnel porteur de sens? C'est que là, ici, on va se centrer beaucoup plus sur comment on peut aider la personne à trouver du sens dans ce qu'elle fait. Donc, on peut voir ici qu'il y a un processus de reconstruction du sens, c'est qu'on a au début la perte de sens, il y a une crise, hein, et souvent, il y a une désorganisation du sens de soi et des autres. La personne, à ce moment-là, ne voit plus les choses de la même manière. Elle est confrontée à des événements qui bousculent sa manière de se voir et de se voir le monde. Donc, souvent, à ce moment-là, il y a une désorganisation, il y a des mécanismes d'autoprotection qui se mettent en place et souvent, ça crée de la confusion. Fait que quand on reçoit quelqu'un qui est en perte de sens, ça va être difficile pour la personne à se connecter à ses intérêts, par exemple, voire à ses valeurs, voire aussi à qui elle est comme personne, parce que ça va l'amener dans une crise qui va créer une certaine confusion. Ensuite, on a une étape qui va durer beaucoup plus longtemps, qui est une étape de transition, qui là, on va aider la personne à réorganiser son sens de soi et des autres. Donc, ça va demander une réorganisation, ça va demander un processus d'autorégulation, donc on va passer de l'autoprotection à l'autorégulation. Ça veut dire que la personne, à ce moment-là, bien que ça va lui demander un effort, elle va arriver à s'adapter d'une manière beaucoup plus ajustée compte tenu de qui elle est, compte tenu de qu'est-ce qui est disponible dans son environnement. Et il va avoir une nouvelle énergie qui va amener de la motivation, qui va faire en sorte que ça va amener de l'espoir, qui va permettre de faire un choix porteur de sens et qu'on va pouvoir à ce moment-là l'aider à la mise en œuvre d'un projet professionnel qui va amener un nouvel équilibre, un nouvel engagement et un épanouissement personnel qui va permettre à ce moment-là de la personne de continuer à donner du sens à ce qu'elle fait, à donner du sens elle-même, des fois, à sa propre vie et au travail comme tel. Fait que maintenant, on va s'attarder dans la partie suivante, hein, si on continue. Ici, on voit que pour ces auteurs-là, ce qu'ils sont arrivés à faire, c'est que, et on le voyait un petit peu tantôt, Élodie l'a nommé aussi, c'est qu'on va s'attarder au fait que les personnes croient que sa vie a du sens lorsque trois aspects sont en place. La compréhension, Élodie en a parlé tantôt, sans que sa vie ait un sens et une continuité. Ça, c'est un élément important parce que quand il arrive un événement, des fois, il n'y a plus de continuité. Il y a une brisure dans la continuité. La personne a besoin de retrouver une certaine continuité. Le but, donc dirigé et motivé par des objectifs significatifs valorisés, donc des objectifs que la personne valorise, qu'elle trouve encore importants dans sa vie. Et l'importance, elle croit que son existence compte pour les autres. Elle croit que le travail qu'elle fait est important. Et ces auteurs-là sont arrivés à définir ces trois éléments-là à partir des différentes définitions qu'on pourrait dire du sens au travail. Il y a deux sources pour créer du sens au travail, hein, donc, qui sont les relations significatives et les occupations significatives. Ça va être important parce qu'on va retenir ces deux éléments-là pour l'intervention comme telle. Au niveau des relations significatives, c'est que on va dire que c'est celui-là souvent qui est le plus important parce que la personne, étant donné qu'elle a besoin de relations satisfaisantes, elle a besoin d'un sentiment d'appartenance au monde, de sentir qu'elle appartient, et elle a besoin de se sentir proche et soutenue par sa famille, par les gens qui sont autour d'elle. On va aller à la suivante.
Et qu'on peut voir ici, bon, quand on a une approche d'intervention centrée sur le sens pour favoriser les transitions, c'est quoi ce type d'approche-là? Donc, c'est une approche qui se concentre sur la recherche et la création de sens. C'est qu'on aide la personne à trouver et à créer du sens par rapport à sa vie pour l'aider à qu'elle puisse vivre ce changement et vivre cette transition. Ça vise aussi à aider à trouver du sens, une direction et une compréhension plus profonde de son existence. Ça veut dire, comme on a vu tantôt, c'est qu'il faut aider la personne à ce moment-là à avoir une compréhension intégrée et cohérente de soi et des autres. Ça demande une réorganisation. C'est souvent comme ça que les personnes qu'on rencontre, hein, quand on veut les aider, ils nous arrivent souvent un peu désorganisés, un peu perdus parce qu'ils ont perdu ce sens-là d'eux-mêmes et des autres. C'est une approche aussi qui met l'accent sur l'exploration des valeurs, des croyances et des objectifs personnels et des motivations. Lorsqu'on travaille dans la recherche de sens, les valeurs prennent une place très importante parce que les valeurs, c'est un peu, on pourrait dire, c'est la colonne vertébrale de la personne. Et quand la personne est touchée dans ses valeurs, à ce moment-là, c'est ce qui fait en sorte qu'elle est déstabilisée. On sait souvent aussi que les valeurs qui sont touchés dans le travail en particulier, c'est ce qui va amener souvent de l'épuisement professionnel. Une approche aussi qui permet la compréhension intégrée et cohérente de soi, des autres et de la vie en général, comme j'ai parlé tout à l'heure. C'est une approche qui aide aussi la personne à explorer ses propres problèmes de sens et de la guider dans la recherche de ses propres réponses. Donc, ce n'est pas nous comme une personne intervenante qu'on peut trouver le sens pour l'autre. Il faut que ce soit l'eau qui trouve le sens par rapport à ce qu'elle fait. Maintenant, comment on peut agir d'une manière plus précise? Clara Hill, qui est une Américaine, qui disait que presque tous les problèmes abordés en relation d'aide sont implicitement en lien avec le sens de la vie. Ça, c'est un élément important. Hein? Fait que quand les gens nous amènent une problématique, qu'ils vivent, qui sont sous tension, qui sont dans la confusion, souvent, il y a un élément de sens qui se cache derrière. Et on va dire que bien que les personnes n'expriment pas leurs besoins en termes de quête de sens, elles sont continuellement à la recherche de quelque chose et s'efforcent de rendre la vie meilleure. Et le dit en faisait mention tout à l'heure pour dire que naturellement, les personnes sont dans cette recherche de sens-là comme tel. Donc, le travail de la personne intervenante consiste à déterminer quand il est bénéfique d'aborder le sujet de sens et quand cela ne l'est pas. Parce qu'il faut laisser le sens émerger de manière organique. Ce n'est pas quelque chose qui se commande comme tel. Et on va dire, comme Hill va dire, que les meilleurs moments pour le faire sont lorsque les personnes en parlent ou pendant les périodes de transition et de crise majeure. Donc, la pandémie ou autres événements qui peuvent être importants pour la personne, souvent, on va voir apparaître une quête de sens. Il faut se centrer aussi sur le monde intérieur de signification de la personne. Donc, quand la personne nous parle d'une valeur, ce qui est important, parce que ce qui est important à ce moment-là, c'est de l'aider à voir quel sens cette valeur elle a pour elle. Et aussi, comment cette valeur s'est développée dans sa vie. C'est quoi l'histoire développementale de cette valeur-là? Et de comprendre, parce qu'il faut comprendre que chaque personne a ses propres réactions, a une réaction unique. Et face à sa propre existence et face aussi à elle a ses propres systèmes de signification. On va dire aussi que le sens est construit individuellement et socialement. Ça, c'est un élément important, on va le voir un peu tout à l'heure aussi, c'est que le sens va se construire dans une famille nucléaire, dans un environnement, à l'école, à travers les expériences de la vie, en lien avec les autres. Le sens diffère en fonction de l'âge, du contexte, de la culture et de la religion. On va affirmer qui, lui, il se trouve être un Canadien, il va affirmer que les humains sont des êtres biopsychosociaux spirituels. Donc, pardonnez-moi, spirituel est un élément important parce que c'est justement cet élément-là qu'on trouve une recherche de sens comme tel. Les événements inattendus et négatifs peuvent créer un vide. Ça, c'est un élément aussi, c'est que quand on rencontre des fois des gens en transition, ils vont vivre une certaine période de vide, une certaine période où sont un peu comme on dirait qu'ils sont un peu en errance dans leur vie comme telle.
Et souvent, c'est après des recherches de sens ou des quêtes de sens frustrées qui conduisent des fois au désespoir, voire au vide existentiel. Ça, c'est un élément aussi. Quand on parle de vide existentiel, on parle un peu que la personne se sent vide, se sent qu'il n'y a plus rien qui vraiment l'intéresse. Elle est un peu comme, on pourrait même sentir un petit peu comme sur le nœud des fois, parce qu'au début, on pourrait sentir du désespoir et elle va aller vers un moment donné comme être sur le nœud, un nœud qui fait en sorte qu'elle ne voit plus de sens comme tel. Malheureusement, ce vide ne peut pas être complètement comblé en raison des limitations internes de la personne et externes. Hein? Donc, on a parlé tout à l'heure, hein, compte tenu des ressources et des limites personnelles et environnementales de la personne, ça peut arriver à ce moment-là qu'on n'arrive pas à combler complètement ce vide comme tel. Et par ailleurs, c'est important de se dire qu'il faut responsabiliser et mettre les personnes au défi de remplir ce vide intérieur. Alors, ce n'est pas nous autres qu'on peut le remplir. Moi, des fois, je demande aux personnes clientes, quand ils me parlent d'un vide, je vais leur demander, il est plein de quoi ce vide-là? Parce qu'un vide, il est plein de quelque chose, mais la personne qui est sur le nœud et qui est en lien avec le vide, elle ne veut pas toucher des fois à tout ce que l'événement lui a fait vivre, à toutes les pertes qu'il peut y avoir à l'intérieur. Fait que c'est pour ça qu'elle sent le vide, mais des fois, il faut passer à travers ce vide-là pour trouver des choses qui vont être significatives pour elle. Donc, tout comportement orienté vers un but vise à combler ce vide. Donc, ça veut dire à ce moment-là qu'on essaye le plus rapidement possible d'aider la personne cliente à faire des actions, à avoir des comportements pour aller vers un but et des comportements qui ont du sens pour elle. L'acquisition de sens est l'un des aspects les plus centraux de l'existence humaine et c'est nécessaire de l'aborder. Un peu comme Élodie avait fait mention tout à l'heure. Donc, comprendre la quête de sens, pour aider les personnes à comprendre la quête de sens ou leur quête de sens, hein, c'est faciliter l'exploration et la compréhension des valeurs, croyances et buts et s'appuyer sur ces valeurs, croyances et buts pour aligner les choix de carrière. Ça va être un élément important aussi. Intégrer des actions fondées sur des valeurs et des stratégies d'acceptation pour faire face aux difficultés de la vie. Quand on parle d'acceptation ici, ça ne veut pas dire que la personne devient passive. Ça ne veut pas dire que la personne doit comme rester les bras croisés. Ça veut plus dire que c'est peut-être de dire que oui, c'est arrivé, mais ce n'est pas parce que c'est arrivé que ça va changer mon monde. C'est vrai que ça change mon monde, mais je peux le reconstruire. On va voir tantôt un peu comment aider pour faire ça. Aider la personne à se connecter avec ce qui fait en sorte qu'elle se sente plus vivante. Ça, c'est intéressant aussi d'aider les personnes à connecter ce qui fait qu'ils se sentent vivants. OK? Mais des fois, au début, surtout au début, après un choc de carrière ou après une transition, ça se pourrait qu'à ce moment-là, elle n'arrive pas à sentir qu'est-ce qui la rend vivante, parce que surtout lorsqu'elle est sur le neutre comme tel. Soutenir aussi la recherche continue de buts et d'épanouissement malgré la présence continue d'obstacles. Donc, on ne peut pas arrêter la recherche de sens. Elle se continue toujours parce qu'il arrive toujours des événements. On a des obstacles plus ou moins importants qui sont là, qui font en sorte que ça peut nous remettre en question par rapport au sens de la vie. Faciliter le rôle de la création de sens dans les expériences personnelles et la vision du monde. Ça, c'est aider la personne un petit peu quand elle parle de ses valeurs, même de ses intérêts, voire de ses aptitudes. C'est que, qu'est-ce que c'est cet intérêt-là pour elle? Qu'est-ce que veut dire cet intérêt-là pour elle? C'est quoi le sens que ça prend? Qu'est-ce que ça prend comme sens pour la personne d'agir telle ou telle aptitude? Ça aussi, ça peut être un élément intéressant. Faciliter la compréhension de l'impact des événements de vie sur la recherche de sens. Donc, c'est un peu de dire comment, par exemple, la COVID est venue m'influencer. Comment la COVID est venue faire en sorte que ça est venu comme mettre en cause ma quête de sens ou mon sens par rapport au travail, par exemple. Faciliter le processus de création de sens pour développer une vision de soi et du monde plus significative, comme tel. Respecter les différences individuelles et culturelles. Ça, c'est un élément important, c'est que le sens est façonné par le contexte historique, social et culturel de la personne. La culture exerce une influence profonde et omniprésente sur les comportements.
Et lorsqu'on intervient auprès des personnes issues des milieux culturels différents, l'empathie exige également une sensibilité culturelle. Donc ça, c'est un élément important. Quand on parle ici de différences individuelles et culturelles, c'est pour dire aussi que chaque personne porte sa culture au-delà de son ethnicité, au-delà de où elle vient, elle porte sa culture comme telle. Et il faut s'intéresser à cette culture-là pour voir un peu comment, à partir de cette culture-là, elle peut trouver un sens. Considérer la vie en termes de les plus larges et la personne de la manière la plus inclusive. Fait qu'ici, c'est un peu de se permettre d'aller vraiment dans le monde de la personne. Donc, d'avoir de l'ouverture à l'intégration de nouvelles idées. Avoir de l'ouverture à explorer de nouvelles manières de travailler ensemble. Ça va fournir à ce moment-là de nouvelles perspectives d'intervention. Donc, quand on aide une personne, il faut aussi accepter souvent comme personne intervenante de changer, de ne peut-être plus intervenir comme on intervient habituellement, parce que ça nous demande d'offrir une intervention ajustée pour cette personne-là. Comprendre la personne, c'est comprendre comment elle construit le monde, hein, et comment elle gère ses pensées, ses sentiments, ses motivations et ses actions. Quand on dit elle gère ses pensées, c'est comment qu'elle les autorégule. Quand elle a telle pensée, qu'est-ce qu'elle fait avec cette pensée-là? Comment qu'elle se sent avec cette pensée-là? Quand elle a des sentiments, comment qu'elle gère ces sentiments-là? Qu'est-ce qu'elle fait avec ses motivations et ses actions, etc. C'est aussi comprendre les facteurs culturels qui influencent la personne de percevoir et de donner du sens à sa vie. C'est aussi l'exploration de l'impact des facteurs culturels sur l'évaluation de son stress, son anxiété et sur l'adaptation qu'elle peut faire dans ce contexte. Définir aussi ses objectifs de vie qui correspondent à ses expériences et à ses valeurs culturelles pour trouver du sens. Faciliter le développement pour surmonter les conflits culturels et trouver le sens dans un monde diversifié aussi. Hein, c'est pour démontrer à ce moment-là que trouver le sens, ce n'est pas si simple. Ça demande vraiment de le contextualiser. Surmonter les obstacles à l'engagement et fixer des objectifs significatifs. Ici, c'est Yalom qui disait, qui est un psychothérapeute existentialiste, qui disait que éliminer les obstacles à l'engagement en demandant à la personne ce qui l'empêche de faire ce qu'elle veut. C'est intéressant un peu de poser des questions-là. Puis aider la personne à surmonter les aspects négatifs de la vie et à poursuivre ce qui compte vraiment pour elle, comme tel. Donc, Wang, il est arrivé à dire qu'il y avait quatre composantes à considérer. Il y avait pour trouver du sens, il y avait l'aspect motivationnel, il y avait la composante cognitive, c'est tout l'aspect de cohérence, de compréhension de son identité et des autres. On a parlé tout en dos. Il y a l'aspect comportemental, donc des actions responsables. Ce qui était intéressant aussi, c'était de dire je peux avoir vécu la pandémie, mais j'ai une responsabilité pour m'en sortir. J'ai une responsabilité pour faire ça différemment. Et aussi au niveau affectif, c'est le niveau de satisfaction ou d'insatisfaction de la situation ou dans la vie, dans son ensemble. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le sens est tout ce dont la personne a besoin et la relation est tout ce qu'elle a. C'est intéressant hein, de le voir un peu comme ça parce qu'on pourrait dire que dans ce sens-là, c'est que la relation est tout ce que la personne intervenante a pour aider. Donc, ça va même au-delà de l'établissement d'une relation et d'une alliance. Donc, chaque personne, chaque rencontre, par exemple, on est là pour ouvrir une fenêtre d'opportunité pour examiner le fonctionnement de la personne et la toucher d'une manière qui changera sa vie. Alors, ça, c'est un élément. Hein, fait qu'une intervention qui va vraiment faire la différence, c'est parce que la personne va avoir été touchée. Et c'est souvent par nous que ça va se passer. La relation constitue la base de l'évaluation, de l'intervention et de la construction d'un avenir meilleur. Donc, pratiquer le counseling authentique et empathique pour créer une relation de confiance, pour que la personne accepte de changer aussi, parce que pour accepter de faire un changement, pour accepter de prendre le risque de changer, ça demande une relation qui va être solide avec la personne intervenante. Mettre l'accent sur le pouvoir transformateur de la relation, de la démarche, appliquer les principes de counseling centrés sur le sens, comme on vient de vous en parler, puis favoriser un développement personnel continu. C'est que la personne intervenante est l'instrument le plus important du processus d'intervention
et ses qualités personnelles sont tout aussi importantes que ses compétences. Ça, c'est intéressant parce que souvent, le changement va se faire à travers les qualités personnelles de la personne intervenante. Oui, ses compétences sont importantes, mais aussi ses qualités personnelles. Ce qu'on va dire, même des fois au niveau des recherches, que qui est la personne intervenante est 9 fois plus important que les techniques qu'on utilise comme ça. Donc, ce principe qui a été amené par de Frankl, qui a été amené par Patakos, c'est que la personne peut choisir son attitude dans toute situation. Elle peut se vouer à des valeurs et à des buts signifiants. Elle peut trouver un sens dans tout instant. Elle doit rester vigilante à ne pas se focaliser de manière exagérée sur l'objectif poursuivi, donc s'occuper de d'autres dimensions de sa vie. La personne peut prendre du recul et rester détachée afin de demeurer lucide, donc de prendre un recul sur ce qu'elle fait. Elle peut essayer aussi de déplacer le centre de son attention dans des situations difficiles afin de faire face au stress ou au changement. Un peu encore là, ça l'aide un peu comme de prendre du recul. Puis elle peut se dépasser soi-même. Ça, les chercheurs, ils vont dire aussi que, ou même ceux qui se sont occupés du sens, de trouver un objectif qui est plus grand que soi, ça peut être aidant comme date. Enfin, ici, c'est un peu comme pour montrer les facteurs d'évolution. Ça reprend un peu ce qu'on a nommé au début. Ce qui serait plus important de retenir, c'est de voir qu'on a l'effet de l'événement qu'on voit à gauche, hein, par exemple la mobilité, avec toutes les caractéristiques qui peuvent y arriver par rapport à cet événement-là. Le niveau subjectif du sens du travail, la compréhension, le but, l'importance, et même on pourrait mettre à l'intérieur les 6 caractéristiques qu'Élodie a nommées tout à l'heure, les variables personnelles et les variables sociodémographiques qui vont venir jouer par rapport à ça. Et les effets aussi du niveau organisationnel. Élodie en a parlé tantôt quand on parlait du sens au travail. Donc, la culture de l'entreprise, ses valeurs, ses modalités, les relations avec les collègues et supérieurs et médias vont venir jouer aussi sur le niveau subjectif du sens au travail parce que le niveau du sens du travail, c'est vraiment une question de perception. Donc, c'est vraiment subjectif. C'est pour ça qu'en relation d'aide aussi, on va s'intéresser beaucoup à la subjectivité de la personne, c'est-à-dire de comment elle vit les choses comme ça. Enfin, on voulait qu'on vous mette une petite méthode qui permet de chercher sa voie en questionnant les sectes portant à l'extérieur jusqu'au centre. C'est comme, on va parler que la méthode Ikigai, c'est que je la mets là, on n'y rentre pas de vraiment à fond dedans. Vous pouvez avoir des informations sur Internet par rapport à ça. En fin de compte, c'est d'aider la personne à dire c'est quoi qu'elle aime, ce dans quoi elle est douée, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi elle est payée. Mais c'est intéressant, surtout ce dont le monde a besoin. Des fois, les personnes se questionnent un petit peu moins à l'intérieur de ça. Et ça permet qu'avec cette méthode-là, des fois d'accompagner, comme à un moment donné, on a eu quelqu'un qui avait découvert cette méthode-là, puis on a passé tout un processus à l'aider à faire son ikigai. Et ça lui a permis vraiment de trouver de la cohérence dans ce qu'elle voulait faire comme tel. On s'est rendu à la période de questions. Eh bien, merci beaucoup, merci Réginald, merci Élodie. Effectivement, c'est l'heure des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le clavardage ou sur la section questions-réponses sur l'icône. Alors, on va commencer par Félix. Il a une question. Alors, je sais que ça a été un peu abordé, Réginald, tantôt, mais comment utiliser l'approche de quête de sens avec une personne provenant d'une société davantage collectiviste où la façon d'effectuer des choix de carrière n'est peut-être pas effectuée à l'aide des caractéristiques personnelles, par exemple intérêts, valeurs, aptitudes? Effectivement, c'est vraiment une question importante parce qu'il y a des personnes qui vont beaucoup être plus centrées sur des valeurs que sur des intérêts. C'est comme, il y a des personnes qu'au niveau de leur culture, quand on commence un processus, on leur demande c'est quoi tes intérêts, puis on essaie de les aider à faire un choix au niveau des intérêts, ça ne fonctionne pas. Parce que ce n'est pas ça qui est essentiel pour eux. Il faut vraiment partir des valeurs, des aider à développer leur aptitude en fonction des valeurs qu'ils ont. Et parce qu'eux, ils vont être beaucoup plus, c'est quoi ce dont le monde a besoin? C'est quoi ce dont sa famille a besoin? C'est quoi dont les gens autour d'eux ont besoin? Ce qui fait qu'à ce moment-là, les intérêts, peut-être qu'on va pouvoir les considérer, mais c'est vraiment en dernier lieu. Parce que la recherche d'intérêts, c'est vraiment
une culture plus occidentale, on pourrait dire, là, comme on cherche à vraiment répondre à ses intérêts à nous, alors que pour certaines personnes, c'est les valeurs qui sont au centre, comme toi. Merci, merci Réginald. On a une autre question de Hams. Quels sont les premiers symptômes que l'on peut identifier comme un signal de perte de sens au travail? Bien, moi, je peux répondre parce que ma thèse avait porté justement là-dessus, sur ces premiers symptômes de perte de sens et puis le processus de la perte de sens au travail. En fait, les premiers symptômes, ils sont très classiques, en fait. On a des personnes qui commencent à remettre en cause un peu, ben, soit la nature de leur travail, hein, quand on parlait de sens du travail, ou l'organisation du travail, donc le sens au travail. Et puis, bah finalement, quand il n'y a pas de changement, et quand ils ne trouvent pas soit un nouvel équilibre dans leur vie professionnelle, ou quand il y a des appels à l'aide et puis il n'y a pas de réponse, en fait, on voit que ces insatisfactions-là, bah, elles se creusent et puis elles viennent jusqu'à être vraiment perturbantes, en fait, pour la personne. Et justement, vous rappelez cet équilibre-là des six caractéristiques du sens, bah, on a une ou plusieurs caractéristiques qui s'effondrent, en fait, et jusqu'à remettre en question tout le sens qu'on peut donner à son travail. Donc finalement, pour répondre à la question, ces premiers symptômes, ils sont vraiment difficiles à identifier. C'est pour ça que moi, à mon sens, c'est important aussi d'être vraiment à l'écoute de ce que la personne peut dire. Et puis, comme on disait tout à l'heure, comme disait Réginald aussi, essayer aussi de travailler sur... Oui, il y a une perte de sens, mais il y a aussi d'autres choses qui donnent du sens. Donc, essayer de recréer cet équilibre aussi pour aider la personne à finalement pas sombrer, on va dire, dans la perte de sens, mais garder cet équilibre-là. Et puis, il y a certaines fois où vraiment le déséquilibre est tel qu'on a des personnes là qui peuvent vraiment plus aller au travail et qui vraiment sont en fort questionnement. Donc là, les symptômes sont vraiment visibles, mais on est un petit peu trop tard, en fait, dans le processus. Et peut-être pour élaborer sur la réponse, j'ai une autre question de François qui dit: quel lien faites-vous entre le sens subjectif et le sentiment d'efficacité personnelle basé sur les expériences réussies? Le sentiment d'efficacité personnelle, il y a quatre sources. Hein, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est selon les sources que la personne a pu, les sources qui nourrissent son sentiment d'efficacité personnelle vont faire en sorte que ça peut avoir plus ou moins de sens. Comme par exemple, une des sources, c'est les apprentissages vicariants. Comme quelqu'un, par exemple, il a vu son oncle ou sa tante, par exemple, agir un peu comme infirmier ou, par exemple, infirmière. Et il a vu que cette personne-là était très dévouée à travers le monde, à travers même dans l'hôpital où elle était. C'est comme si c'est devenu un modèle. La personne avait dit, ben moi, je serais capable de faire ça. Moi, je pense que j'arriverais à faire ça. Là, ça peut nourrir le sens au travail. Fait que les sources de sens, les sources de l'efficacité personnelle peuvent être des éléments qui peuvent nourrir le sens. Puis quand la personne a un faible sentiment d'efficacité personnelle par rapport à un élément, elle pourrait aussi faire en sorte de perdre le sens. Parce que, encore là, on a vu dans les recherches que lorsqu'il arrive un événement ou lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, ou même lorsqu'elle voit une profession, c'est soit qu'elle s'ajuste pour correspondre à cette profession-là au nouvel événement, ou encore, elle va changer sa manière de se voir. Elle peut être tentée de modifier sa manière de se voir aussi. Ça peut aller un petit peu dans les deux sens. Mais oui, il peut y avoir un lien entre les deux. Je ne parlerai pas des trois autres sources à cause du temps qu'on n'a pas, là, mais il y a trois autres sources qui sont à considérer aussi pour le sentiment d'efficacité personnelle. Tout à fait, j'allais dire, on a reçu plein de très bonnes questions. Malheureusement, je regarde l'heure et on va devoir conclure, mais je vais m'assurer d'envoyer les questions au présentateur. Et puis, on a eu quelques commentaires aussi de personnes souhaitant les références de lecture et plus d'informations sur Ikigai. Je sais qu'il y a beaucoup de références sur la présentation, donc vous aurez accès à ça. Et puis, on fera en sorte de vous partager plus d'informations. Mais merci, merci à tous pour votre participation. Et puis surtout, merci Elodie et Réginald pour cette présentation. C'était fort intéressant, effectivement, d'en apprendre davantage sur le choc des carrières, l'influence que ça peut avoir et aussi sur les pistes
d'intervention qu'on peut faire pour faciliter cette transition. Donc, évidemment, c'est un projet aussi de longue date. Si vous souhaitez en savoir davantage aussi sur les derniers résultats finaux du projet de recherche que Réginald et Elodie ont participé, ils vont effectivement partager ça dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, je vous invite à garder un œil ouvert sur la page de projet du CERIC. Et puis, juste avant de conclure, une petite minute, j'aimerais partager quelques autres occasions d'apprentissage que vous pourriez trouver intéressantes également. Donc, on va bientôt avoir notre congrès Canexus, qui est le plus grand congrès de développement de carrière au Canada en janvier prochain, en présentiel à Ottawa ou en format virtuel à distance. Et vous aurez d'ailleurs l'occasion de rencontrer notre groupe de chercheurs qui présenteront à Canexus les résultats finaux de leurs recherches. Et puis, le congrès offre aussi de nombreuses occasions d'apprentissage et de réseautage en français, dont notre célèbre rencontre entre francophones du secteur dans notre congrès virtuel. Et puis, on a aussi notre publication qui pourrait vous intéresser, parmi d'autres publications évidemment, mais celle-là, il s'agit du célèbre livre « Théories et modèles orientés sur la carrière » qui recueille plus de 43 chapitres sur les théories et modèles de plus de 60 collaborateurs venant de 9 pays et à chaque fois avec des petites vignettes d'applications pratiques des théories. Donc, vous pouvez également visiter notre site web. Mais avec tout ça, un grand merci à nouveau à nos deux présentateurs du jour et un grand merci à vous tous pour avoir participé à notre webinaire et pour votre participation active avec plein de questions et de commentaires. Je vous remercie d'avance de prendre quelques minutes pour répondre à notre enquête qui va s'afficher sur votre fenêtre de navigation. Puis j'espère vous voir à une prochaine occasion d'apprentissage. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.